s'il pleut, ta cabane ne tiendra pas le coup. On ferait mieux d'aller chercher une autre cachette. C'est trop risqué. On se fera dénoncer si on demande de l'aide. Jay ! Viens, on a besoin de branches, allez ! C'est pas drôle, Jay ! C'est un caisson qui le privera de ses sens. Écoutez, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'une personne qui est dans le coma n'a pas déjà tous ses organes sensoriels complètement anéantis ? Nous nous sommes acharnés sur le système sensoriel de Jay. J'ai réfléchi, je crois qu'en l'annihilant complètement, on va pouvoir... Son corps va vouloir se défendre devant cette agression. C'est ça, vous y êtes. Ils l'ont attrapé. Oui, c'est encore ce crétin de Finger. La grande tour me veut dans ses murs et moi je vais aller dans la grande tour. Alors qu'est-ce que t'attends pour m'y conduire? Première escorte, êtes-vous prêts? Nous allons entrer. Suivez-moi. Je vais les suivre. Non! T'as pas vu ce qui a marqué? C'est un centre de recherche hautement surveillé. C'est trop dangereux. Pas pour moi. Je vais pas le laisser moi gérer ici. C'est un chalet savoyard? Non, qu'est-ce que vous faites? On va envoyer Jay faire un petit voyage. Ah bon? Où ça? Vous l'envoyez sur Mars? Non, c'est plutôt un voyage intérieur qu'il va faire. Mais il reviendra. Allez, je vais aller chercher notre astronaute. Ça aux autres. Au labo. Vous avez entendu? Alors dépêchez-vous. Avec ce garçon, Finger. Détache-le immédiatement. J'ai rempli mon devoir envers la grande tour, Fractal. Et j'aimerais que tu en fasses autant. Tu t'es trompé d'endroit. Ici, c'est un centre de recherche, pas une prison. Tu ne le reconnais pas. Ah ! La grande tour voulait, comment dire, qu'on le neutralise. Tu fais du zèle pour entrer dans le conseil de la grande tour, hein, Finger ? Ça ne marche pas avec moi. Il faudra bien. Tu peux transformer son esprit en le soumettant à tes petites expériences, comme tu l'as fait pour ces gamins. Arrête, tu sais très bien que ce qui s'est passé, c'était un accident. Ça aurait été inhumain de vouloir faire une chose pareille à des gosses. Transformer tes zombies en larbins, ça ne t'a pas gêné? Oh mais oui, c'était pour la science. Tu n'es qu'un pauvre chercheur sans matière grise. Doucement, Finger, je fais partie encore du conseil de la Grande Tour, alors je te conseille vivement de m'obéir. Oui, c'est vrai, mais nous ne sommes pas dans la Grande Tour. Dehors, il y a 6 moniteurs qui surveillent l'entrée, et personne, tu entends, personne ne sortira tant que ce gosse ne sera pas un zombie. Alors, maintenant, tu vas retourner à tes petites expériences. Allez, et faire ce que je te demande. Compris. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas un club de vacances ici.
Continuez, on attend ici. Laisse-moi partir. T'es pas obligé de faire ce que Finger dit. Brad prendra ta défense. Oui, peut-être. Mais le monde a changé. Maintenant, c'est la politique qui nous gouverne. Mais tu travailles pour Brad, non? Brad et moi, on veillait tard les longues soirées d'hiver. Non, c'est vrai? Vous étiez des amis, alors? C'était la seule personne que je connaissais qui était intéressée par les grandes questions. Nous avons créé un tas de théories sur le monde et son origine. C'en est une, ça? Oui, en effet, ce que tu vois là, c'est un plan de l'univers. Je pense qu'il est constitué d'une série de sphères renfermant d'autres sphères séparées par de belles et solides parois de cristal. À l'extérieur de ces sphères se trouve le néant ou encore l'inconnu. À l'inverse, à l'intérieur, nous avons le ciel. Voici notre sphère, et si on se projette au-delà de ce plan, on rencontre une sorte de royaume encore inconnu. Est-ce qu'il est possible de voyager, comment dire, d'une sphère à une autre? Voilà une excellente question. Je me la suis déjà posée plusieurs fois. En fait, c'est le but recherché de toutes mes expériences. Lâchez-le. Maintenant. J'arrive pas à retrouver la maison d'où je viens. Je suis arrivée ici dans un ascenseur. J'y suis. Peut-être que mon seul moyen, c'est de franchir la paroi de cristal. Comme ça, tu deviendrais un voyageur à trois dimensions. Tu pourrais peut-être reconnaître ma découverte. J'ai trouvé la paroi de la sphère intérieure. Regarde, elle est ici. Bien. Passez-lui les jambes en dessous. Voilà. Très bien. Allons-y. Le cristal de la paroi est impénétrable. J'ai tout essayé. Pelle, pioche, rien à faire. Regarde, de la lumière. Ça n'a jamais fait ça auparavant. Peut-être que t'es vraiment un voyageur à trois dimensions. Je sais que tu veux la toucher, mais il ne faut pas. Si, il faut que je la touche. Maman, tu m'entends? Jay. Non, arrête, si tu la touches, tu deviendras un zombie. C'est ce qui est arrivé à ces pauvres malheureux. Je te préviens, fais très attention. Un faux mouvement et tu perds la tête. Je dois voir ce qu'il y a derrière. Voyons, cette image est apparue quand tu t'es approché du cristal. Quoi, cette image? Tu permets, c'était ma mère. C'est quoi, ma mère? Est-ce que cette chose habite dans le cristal ou derrière? Non, elle existe pour de vrai. Quelque part. J'arrive pas à me rappeler où. Peut-être que c'est ton inconscient qui possède la clé de tout ça. Il doit savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Si bien sûr tu viens de là-bas. Finger veut que je fasse de toi un zombie. Quel gâchis stupide. Alors ne le fais pas. Aide-moi à passer de l'autre côté. Allez, va chercher des gorilles, ils vont creuser. Ce sont des zombies, pas des gorilles. Si Finger arrive à te convaincre de me transformer en zombie, tu deviendras complice d'un vrai massacre. Il viendra ici se débarrasser de n'importe qui. Tu as raison. Après tout, je suis un scientifique, pas un laveur de cerveau. Surtout, rappelle-toi, ne touche pas à la paroi de cristal. Alors?
Alors ça y est, c'est un zombie. J'espère que tu es fier de toi. Allez, fiche le camp maintenant. Tu vois, c'était pas si dur que ça. Alors, où est-il? Étant donné qu'il n'est plus utile pour personne, il travaille avec moi. Il ne veut plus rien maintenant, excepté ses 3 bols de porridge par jour. Je veux le voir. Pourquoi faire? Il est dans la partie la plus dangereuse de la caverne. Il n'est pas assez intelligent pour sortir avant d'avoir fini. Vous n'êtes qu'une bande de débiles profonds! T'assures, Finger, que le gosse est complètement zombie. Il en tient une sacrée couche, j'ai jamais vu ça. Oh oui, Jay. Pose cet outil sur le sol. T'as entendu? Jay. Dis-moi comment tu t'appelles. Est-ce que tu veux aller dans la grande tour? Nous avons capturé tes amis, on en a fait des esclaves. Ça ne dérange pas au moins. Est-ce que tu reconnais cette personne? Oh, je sais plus. Pourquoi il n'a pas de cicatrice sur sa tête? Non, ne la touche pas! Joli coup, fractal. Finger! Fiche-moi la paix! Et pourquoi il s'est pas transformé en zombie? Il est possible qu'il vienne d'un autre monde. D'accord. Je vais m'en débarrasser, tu vas voir. Amène-toi! Objet dur. Qu'est-ce que tu fais? T'es cinglé? Il faut que je passe de l'autre côté de la paroi cristal. Objet piquant. Tout le monde dehors! Déblayez le terrain et que ça saute! Allez, remuez-vous! Dépêchez-vous, évacuez les lieux! Qu'est-ce que vous faites ici? Froid. D-
déguerpissez en vitesse, je vais tout faire sauter dans deux minutes. Non, faites pas ça. Dépêche-toi, Fractal. Arrête, je t'en prie, on ne sait même pas ce qui va se produire. Et alors j'ai vu ma mère de l'autre côté. C'est toi qui m'as dit que c'était un monde différent. Chaud. Dépêchez-vous, allez, 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 un peu de nerf, vous traînez. Allez, grouillez-vous, montez plus vite. Allez, mon sang. Allez, avancez. Nous devons nous en aller d'ici. Pense un peu à nous, Jay. Qu'est-ce qui se passera si ce monde ne peut pas se mélanger au nôtre? Et s'il nous détruisait? Est-ce que c'est le prix que tu es prêt à payer pour en savoir plus? Écoute, je veux retourner chez moi. Je te recommande de changer d'avis. Remonte avec moi avant que ce fumier de Finger nous enterre. Maniez-vous, tout va sauter. Je vais enfin me débarrasser de ce gosse. Où est Fractal? Jay, remonte, bon sang! Vite, dépêche-toi! Venez vite, il faut partir d'ici. Cet endroit va bientôt exploser. Allez, venez! T'as de la chance de faire partie du conseil, tu sais. Viens, sors d'ici! Quelque part, je vous envie, car quand vous serez prisonnier ici, vous aurez tout votre temps pour étudier mon plan de l'univers. Amène-toi! Qu'est-ce qu'il a dit? Jay! Jay? Maman, j'arrive! Manière, Jay. Pourquoi tu ne reviens pas? Je peux pas, maman. C'est trop dangereux. Je t'en prie, essaie encore, tu peux y arriver. Il faut que je trouve un autre moyen. J'ai pas envie de blesser les gens qui m'entourent. Jay! Non, pas de cette façon, maman. Pas de cette façon. Jay! Sauve-toi! Ça va? Pas trop de dégâts? T'inquiète pas, je suis une fille forte. Tout le monde à terre! Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce qu'il a réagi à un moment ou à un autre? Non. Je crois que Jay a besoin d'autre chose. Il faut trouver un autre moyen. Excusez-moi, j'ai été injuste. C'est nul, tout est de ma faute. J'étais si près du but cette fois. Je crois qu'on va avoir tout notre temps pour étudier son plan de l'univers.
Qu'est-ce que tu veux dire? En sortant de cet endroit, il a dit qu'on aurait vachement de temps pour étudier son plan. Ah. Chandler, par là. Chenienne a conduit des rations. Allez, venez. Et voilà, notre problème est résolu. Tout ça pour contenter l'ambition féroce d'un sale égoïste qui se fout totalement des conséquences de ses actes. Les gens comme moi doivent faire face aux dures réalités de la vie, pendant que toi, tu te caches derrière des petites expériences. Section numéro 1. En avant-marche. Ça va mieux, ta tête? Ouais, ça va. Quelle ascension, ça m'a tué. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette caverne? Quand t'es remontée, t'étais tout bizarre. Ne me dis pas que je ressemblais à un zombie. Hé, vous voyez ce que je vois? La grande tour.